Allez, j'y vais. Eh, c'est bon, la bande-roue est repartie là. C'est le départ là. Ah si, c'est celle-là qui est devant. Voilà. C'est la violence policière devant. Merci, Mohamed. Il peut la greffer avec si tu veux. Ouais, bah oui, à la limite, la limite il peut la avec. Et la voiture, c'est pas voilà. Mini-chaussée. Mini-chaussée, reste avec. Voilà. Pas trop vite, hein, il faut aller doucement. On est là, c'est le climat qu'on ne veut pas, nous on est là. Merci les amis. Merci beaucoup pour eux. J'ai un petit message les amis. Nous sommes le 4 juillet. En principe, les familles devraient partir en vacances pour se reposer. Hélas, 43% de la population ne part pas en vacances. Bien sûr, ce n'est pas par plaisir de rester chez soi. 9,4 millions de ponts sont recensés en France, soit 14,7% de la population. Afin de cacher l'augmentation de la pauvreté, ce gouvernement a décidé, à compter du 1er janvier 2020, de supprimer l'Observatoire de la pauvreté qui a été mis en place le 29 juillet 1998. Mais pendant ce temps, le chiffre d'affaires de certaines sociétés ne cesse de s'agrandir. LVMH est passé de 35 milliards à 53 milliards de chiffre d'affaires en 5 ans. Je ne vous parle pas du bénéfice. Le constructeur de bateaux, Benetton, c'est indispensable, est passé de 969 millions à 1,3 milliard de chiffre d'affaires en 5 ans. Force est de constater une corrélation positive dans ces chiffres. Plus de pauvres et plus de riches qui ont la capacité d'acheter plus de produits de luxe, entre autres des beaux bijoux, des beaux sacs et des beaux bateaux pour faire leur quête afin de manger du caviar et de boire du champagne. Le locataire de l'Élysée, et oui, l'Élysée, ça nous appartient les amis, doit se réveiller et prendre en considération
nos revendications. Il faut récupérer notre démocratie avant tout. Il faut retrouver notre souveraineté financière et industrielle. Il faut déclarer, comme disait Macron, une guerre, mais cette fois-ci, c'est de l'évasion fiscale. Il faut déclarer absolument. Ensuite, il faut supprimer les aides, les avantages des parlementaires, ainsi que les ministres. Et oui, pendant que Macron enlevait 5 euros d'APL, nos députés se sont octroyés 1200 euros d'aide au logement. Et ça, sans condition de revenu. Imaginez un SMIC d'aide au logement. Parce que se loger sur Paris, c'est cher. Les Tartuffes, c'est le nouveau Tartuffe, ce gouvernement. Est-ce que c'est normal que les frais d'avocat soient payés, qu'un ministre pour obtenir son diplôme d'avocat, alors qu'il y a des mondes qui s'endettent pour devenir avocat? Honte à eux. Il faut également un casier judiciaire vierge pour les élus de la République. Et oui, plus de 300 métiers, même 300 métiers, il faut un casier judiciaire. Travailler dans une commune, vous avez volé un bistec parce que vous crevez la dalle. Vous avez malheureusement une peine au pénal et vous ne pourrez plus rentrer dans une mairie. Et les gens qui volent, qui votent nos lois, ils peuvent faire les 400 coups et ils pourront voter leur propre loi. Et entre autres, voter leurs 1200 euros d'aide au logement. Honte à eux, les amis. Il faut une indépendance entre le ministère de l'Intérieur et les enquêtes de l'IGPN. Citoyens, réveillez-vous! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Merci les amis.